L'animal suivant, c'est le numéro 61. Brennus d'Arthès, le bouclier de Brennus, bien sûr. D'Arthès, présenté par Huguette Durand. C'est une fille, c'est un fils de Ertif Marchal, le père de Montormel. On peut marcher. Et Lignerolle, la mère par le Havre. Alors ça, c'est un pur croisement du haras à la mode, du haras de la Collinière. Puisque la mère, Lignerolle, est issue de la première génération de Le Havre. Et c'est un fils de Ertif Marchal. Une grande souche de plat qui nous vient du haras de la Louvière, en l'occurrence Christovelli, où on trouve Célimène, CCC, Célimène, Altérité, Luna Royale, Lunasca, la troisième mère. Voilà une souche qui a été achetée, Luna Park, par Sylvain Vidal, à l'époque où il voulait lancer le haras. Autre à la mère qui est d'ailleurs très signée de son père de mère, Le Havre. Et le père, c'est Ertif Marchal, le deuxième étalon qui a été recruté par la Covinière, le premier étant Le Havre, le troisième étant Rachaman, le père de Brameto. Voilà, autant vous dire que ce Chaser Day, va peut-être falloir le rappeler, le Chaser and Flat Day, puisque nous avons des belles